Salut tout le monde, c'est Mastix, comment allez-vous? Bien écoutez, moi je vais bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Assassin's Creed Valhalla. Et la dernière fois, on s'était dit qu'on allait piller ce monastère pour récupérer quelques ressources, et ensuite nous ferons route vers le nord, je pense. À moins que qu'on explore tout. Ouais, je pense plutôt qu'on va explorer un petit peu ce coin. Silence. Allez. Nous allons nourrir les corbeaux aujourd'hui. Hop, allons piller. Ouais, non, il n'y a pas de richesse intéressante ici. Allez. Hop. Ils ont sonné la cloche. Quel dommage. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut lui? Non, dégage ça, on s'en fout de ça. Faites-les saigner! Ok. Hop. Ok, ça c'est cool. Hop. Wesh. Pourquoi ils sont si forts? On est où là? C'est quoi le délire? Comment c'est possible qu'ils soient si forts? La zone, c'est une zone 20 normalement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien. On va essayer de recommencer plus simplement, plus facilement. Peut-être avec des techniques un peu plus appropriées. Mais c'est étonnant que. Des huttes de moines, là-bas! C'est étonnant qu'il soit si. Si costaud, allez, quoi. Attaquons ces chiens! Alors, ouais, c'est ça que je voulais regarder. Ok, puissance suggérée 160, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ah, ok, ici on a toutes les richesses. Il reste deux mystères à avoir. C'est grand le Grand Bridge. C'est grand. The Bridge. Là on est dans l'estanglie. Ok, donc les deux trucs qui manquent, c'est ceux-là, je pense. Ocean Fire. Ursulan Fire. Ok. Ouais, non, non, non. Ça, c'est très mauvaise idée ce qu'on a eu là de faire ça. Là, on est dans le Leicester. Bon. Ouais, bah le Lincolnshire. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas quoi faire. Je peux pas annuler une attaque. Ce serait bien. Ce serait bien que je puisse annuler une attaque. Parce que là, ils vont se faire défoncer en fait. Bon, alors on va aller récupérer ça. Ça, on l'a eu, je pense. Ah, mais je suis con. On y est déjà allé là. Tac. On va faire ça. Ça sera plus simple. Et ça nous évite de se faire défoncer pendant l'attaque. J'avais pas vu que qu'on était dans une autre zone et que le niveau était très élevé. Ok, donc on a encore des bugs.
Alors, nous sommes à Repton. Repton, donc là, on va visiter toute la ville. Hop. Par où on peut sauter? Là. Là. Repton, Sigurd devrait y être, avec les Ragnarsson. Oui. Merde, je suis sorti, non? Ah, ok, bon. Qui se présente devant Ivar Ragnarsson? Serais-tu la drengre de Sigurd? Igor! Eivor! Et si tu continues, tu vas finir par tacher le sol. Il a besoin d'un peu de couleur. Qui c'est ça? Des espions. Tous habillés en paysans. Puis le chaos, un coup de fourche, de la part de cette vermine. Autrefois, on affrontait et tuait son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions. Et aujourd'hui, nous passons des accords avec l'ennemi. Pas mon genre. Je vois ça. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. Hey! C'est bien. Tu es libre, vipère saxonne. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Mercy. J'aurais fait cela autrement. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Ok, donc lui, c'est sûrement Ivar le désossé. Comment s'appelle cet endroit ? Un tas de purins. Mais les Merciens l'appellent Repton. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur jérémiade quand on les a chassés. Tu as enfoncé ta lame dans le cœur de son royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Les derniers à résister sont le roi Burgred et son chef de guerre, Léofrid. Mais mon frère prépare un plan pour s'occuper d'eux. J'en conclus que c'est là que nous trouverons mon frère. Oui. Il parle beaucoup, Ubbe et Sigurd. Tu ferais ça, bien c'est carrément comme dans Viking. Je kiffe. Il va où je bite? On suit jusqu'où là? Jusqu'à sa tente? Ne me prends pas pour une idiote, Ubbe. Je sais que Burgred t'en... Ok. Donc nous avons découvert les fils de Ragnar. Je n'irai nulle part, Bourso. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant, décampe. Ok. Chicaner sur une somme ne convient pas au fils de Ragnar Lodbrok. Mais ne t'en fais pas, Ubbe. J'ai les guerriers qu'il te faut. Si elle en fait partie, mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des lourds, tu arrives au bon moment. Ubbe et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane Cheowulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la Mercy a besoin.
Un homme qui dirige équitablement Saxon comme Danois. Es-tu apte à diriger ? J'ai l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom. Un pantin. Je fais mon devoir. Et j'espère que tu es là pour faire le tien. Nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons réunir. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Teowulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Borgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Borgred, couronnons Teowulf, demain le comté est à nous. Et la Mercy suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Borgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ah, tu gâches les plaisirs du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Ivar. Nous allons l'honorer. Teowulf a trahi son roi. Qui nous dit qu'il ne nous trahira pas demain ? Pourquoi lui faire confiance ? Comment répondre à cela, espérant seulement que l'on me croit ? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Mercy. Et je veux le meilleur pour mon fils. Mais dans la Mercy de Burgred, où Danois et Saxons s'entretuent tous les jours, c'est impossible. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prête à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercy. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Très bien. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers. Alors que s'abatte la grêle de flèches, la bataille commence. Ah ! Tu n'as jamais dit qu'elle était poète. Il faut que j'aille pisser. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu ? Je te suis. Va observer Repton si tu veux. Quand tu seras prête, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus. Ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Teowulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Ok, la saga de la faiseuse de roi, très bien. Alors, c'est le moment d'aller explorer un petit peu une ville cette, vivante, cette contrée. Beaucoup de choses à voir. Alors, on n'est pas censé avoir une richesse ici. Ok, au sous-sol ici. Alors, il doit bien y avoir un truc où on peut aller. On peut descendre. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'on pourrait descendre ? Une bonne question, ça. Maintenant. Bizarre. Dans cette maison, est-ce qu'il n'y aurait pas un sous-sol ? Non. Pas le moins du monde. Hein. Alors, comment on va faire ? Il doit bien y avoir un passage souterrain quelque part. Je doute que ce soit la sortie. C'est quoi ce truc là-bas ?
paraît loin. On va voir. On va voir. J'ai peur que ce soit loin aussi. Ah bah attendez, j'ai peur ça. Ah ouais, non, c'est loin. Va, ma fille. Je vais y aller avec le corbeau. Si c'est pas intéressant, bah... Ah ouais, c'est super loin même. Ouais, non, c'est beaucoup trop loin. Mais ça me dit pas ce que c'est. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Bon. On va voir, on va voir, on va voir. Pas un truc sur la carte. Ouais, bon. Allez, on s'en fout. On verra plus tard, c'est bon. Je peux passer mon temps à faire du piaf. Oh là là, mais pourquoi les temps de chargement ils sont aussi longs, franchement. C'est abusé, hein. C'est quoi ça, ce truc des rouleaux là? Et je ne parle pas de Jason. Ça n'a rien à voir. Jason des rouleaux. Hop. Alors, là c'est là où il a foutu le bordel. 64 mètres, 23 mètres, 16 mètres. Ok. Au sous-sol, il y a des trucs. Hop, ça c'est cool. Page de la saga. Lettre à propos de machin. Ouais, une lettre sans intérêt. Du moins pas plus que ça. On va explorer les bas-fonds. De merci. Ok, donc ça c'est le date des rois. Il y a des richesses par là qui sont au même niveau. Alors, mais comment on fait pour y aller? Alors, en tout cas, c'est pas par ici. Il peut y avoir un passage quelque part. Pas dans ce coin là en tout cas. Ok, donc c'est pas ici. Bon, on a pu récupérer quelque chose, c'est déjà cool. Alors, mètres en hauteur. Ah. 44 mètres en hauteur. Ok, donc ça doit être dans... Enfin, là-haut. Ah, j'ai vu le truc. On va passer par ici. Il y a un truc ici, je sais pas trop ce que c'est. C'est une porte qui est barricadée. Non. Un truc comme ça. Ah non, c'est une échelle qui est barricadée. Très bien. Ok, donc cette zone est explorée. Ah, avance. Très bien. Ensuite, par là.
à 45 mètres. Dans le bateau? Dans le bateau. Hop, ça c'est bon. Désolé messieurs, je récupère un peu de tout. Alors... Normalement on a encore le... Le truc de... On sait pas trop où. 95 mètres. En bas. Je sais absolument pas où c'est. Hein. Tiens, on va voir la personne qui veut nous parler. Ah ok, non, c'est juste un marchand. C'est pas... Non, je crois que c'était un sous-sol ici. Pas du tout. Ok, donc là c'est dans le bateau. Là-haut. Tac. Hop. Nice. Alors ensuite. Tiens, c'est quoi ça? C'est le bout de la carte, tout simplement. Okay. Chantier naval, écurie. Ah, artefact. Vu, vu, vu. Là. Là, 50 mètres. La richesse à 50 mètres. Là. Ah, vous restez en arrière, à ce qu'il paraît. La moitié des forces est déjà à Tamworth et nous, nous devons aider depuis le sud. C'est à nous de veiller sur cet endroit maintenant. Dommage. De le protéger. J'aurais aimé voir la tête de Burgred devant sa forteresse perdue. Mais nous en entendrons les récits, hurlés par les héros. Ok. Ah, je me disais bien, il y a bien une richesse ici. Mais comment on y va? Là. Ok, nice. Ok. Ça, c'est bon. Il en reste une ici, plus l'artefact. Ici, c'est celle que je sais pas où elle est. Non, le, hey, là, il... bonjour. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il va me demander pour améliorer mon cheval ou quoi que ce soit là, un truc comme ça. C'est le gérant de l'écurie. Ouais. On s'en fout. Je dois partir. À bientôt. Alors. Faut que je trouve un moyen d'aller. Faut que je trouve un sous-sol en fait. Semble être ici. Ouais, nice. Merde, flèche explosive. Il me saoule avec leur flèche explosive. Avec ça, ça ira. Super. Tout ça pour ça en plus. Vous pouvez mieux faire. Ok. Très bien. Donc on va récupérer l'artefact et on ira parler à Oube. L'artefact se trouve là-bas. En haut de cette maison. Tac. On va voir.
fait, ça me paraît loin. Ok. J'espère qu'on va réussir. Hop. Allez. Je sais pas où il est parti le truc. Là j'ai cru le voir. Merde. J'ai pas vu où il était parti, merde. J'ai toujours été mauvais pour ce truc là. Ok, bah, de toute façon il est remonté là-haut. On va recommencer. J'ai toujours été mauvais. Je sais que il y en avait dans Assassin's Creed Black Flag. Et j'avoue que j'étais toujours très mauvais. Tac. C'est là en fait. S'il monte là. Parce que une fois qu'il est monté là, ouais, je pense que c'est la suite logique. Il faut aller dans l'eau là. Je ne sais pas. On va recommencer. Hein. On va bien y arriver un jour. Hein. On n'est pas si débile à ce point. Mais ça, j'ai toujours eu du mal. Hein, il saute jamais où je veux. Donc c'est plutôt pénible. Tac. 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 Ah merde! Le con. Putain, j'y étais presque. Je suis vraiment un boulet. C'est incroyable. Un boulet, un pop, pas un boulet, hein. Qui vaut vrai ou faux. Ça, c'est une petite blague de geek. Voilà. Boulet, hein. Hop. Allez, youpi, on adore. Non, mais monte. Ah mais non. Mais non, mais j'y étais, mais pourquoi il a pas voulu? Putain, parce que j'appuie sur rond comme un connard et pas sur triangle. Je suis vraiment un abruti. Bon, en fait, si, on est vraiment débile. Enfin, je suis vraiment débile. Pourquoi je dis toujours on? Ça, c'est la grande question hein, que je me pose depuis le début. Hop. Je crois que c'est parce que j'ai trop regardé une petite œuf. Et lui, il dit tout le temps on. Hop. Ouais, c'est bon. On a réussi. Il nous en reste 5 d'artefacts.
Oh là là, c'est un endroit un peu trop élevé. Il y a beaucoup de richesses hein, qui nous manquent dans cette ville. Dans cette ville, dans ce comté. Et comté, on l'aime sans compter. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Allons voir du coup. Oube. Pardon, ce n'est que moi. Bonjour mon ami. Le père de toutes choses m'apprécie. J'aimerais aussi jouir de cette gloire. Oui, tu peux venir avec moi. Ensemble, nous forcerons les portes de la halle du père de toutes choses. C'est cool ça. On a recruté un nouveau membre d'équipage. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Eivor, ta hache est-elle affûtée ? Je suis prête pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Je n'avais entendu que les récits de vos conquêtes. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont endurcir. Ils feront de toi un homme. Nul besoin de se battre pour être... Allez ! Bouge ! Du calme, Ivar. Ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement. Ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Ceowulf. Pourquoi n'est-il pas dans ces quartiers ? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas ? Ceowulf s'inquiète déjà de sa succession. Ce gamin sait-il se battre ? Il n'héritera pas s'il est mort, Ivar. Sait-il tenir une épée ? Je me suis entraîné. Mais... je n'ai pas envie de tuer. Ces hommes sont mes amis. Je les connais. Tu calmes, petit roi. Après ce que ton père a fait, ils ne verront plus en toi un ami. Ivar ! Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin... j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête. Tu entends ça, petit ? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père. À cheval, Eivor. Chevauchée est longue jusqu'à Tamworth. Ok. Je vous suis. Mon frère n'est pas très facile. Toujours à la recherche de moyens. Tiens, deux points de compétence. Bon, on va les mettre tout de suite. On va les mettre dans quoi ? Résistance au corps à corps. Hache danoise. Dégâts d'aptitude. Voix de l'ours. Non! Donnez-moi la voix du corbeau. Non, c'est pas une hache danoise que j'ai ici. C'est quoi? Hache accrochée. Non. Donc ça, ça dégage. Du CX parce que c'est dégâts discrets, voix du corbeau, tiens, dégâts d'assassinat. Allez hop, on va augmenter ça, puis on va suivre notre ami. Tu le sens ça, Chalbert? C'est l'odeur de la jalousie. On en vit notre amitié naissante. Combien on est là? On est 4 à 5. Pourquoi le fils de Ceowulf est-il à Repton? C'est le moyen pour Ceowulf de prouver sa loyauté. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un traître et son fils qu'au milieu d'une bande de Danois. Plus sûr pour qui? Ivar et toi avez apparemment fait de ce comté un enfer. Les Firds sont avec nous, les petites gens. Et Burgred a toujours des soldats dans toute la Mercy. Ils lui sont fidèles. Prêt à mourir pour le protéger. Mmh.
ta voix, Eivor. Ne parle pas comme ses frères. Tu as une bonne oreille. Peu de gens en Angleterre savent faire la différence. Mais tous les Danois ne sont pas Danois. De quelle contrée viens-tu, alors? Du nord des terres danoises, d'un lieu appelé Thornberg, en Norvège. J'ignorais qu'il existait des terres plus au nord. À quoi ressemblent leurs habitants? Tu as déjà vu les moutons d'un troupeau se jeter l'un après l'autre d'une falaise? Ils sont comme ça, du moins ceux qui restent. Je n'aurais pas mieux dit. Beaucoup de gens ont quitté la Norvège? Oui. La Norvège est désormais l'une des provinces d'un jeune roi, Harald. D'une grande sagesse, pour son âge. Tu n'es pas furieux qu'il t'ait obligé à partir, comme tant d'autres? Je l'ai été, oui, quelque temps. Mais nos semaines en mer ont calmé ma colère. Pour être honnête, j'avoue que j'admire ce roi Harald. Par les paroles comme par les armes, il a su pacifier la contrée où je suis né. Pour la première fois de mémoire d'homme, comme de chant de Skald, la Norvège n'a qu'un roi, un seul. Et cela est une prouesse. Impressionnant, ouais. On dit que l'Angleterre est deux fois plus petite que la Norvège, et nous avons quatre royaumes et autant de rois. Tu vois, comment ne pas être impressionné? Non, Harald est quelqu'un de bien, qui a de grandes idées. Je le sais à présent. Je n'ai que 6 ans de moins que lui, et je n'ai pas encore combattu. J'ose à peine imaginer son talent et sa ruse. Ta première bataille est pour bientôt, jeune Thiolbert. Attends-toi à faire de rapides progrès. Je ne suis pas sûr de vouloir aller aussi vite. Ok. Tout comme une petite histoire sur le roi de Norvège. Thiolbert, ma colère est pour l'essentiel à l'encontre de mon père, pas du roi Harald. Mon père a transmis au roi Harald mon droit de naissance, sans mon consentement, et sans même m'en avertir. Fut-il un tonneau d'hydromel? Cela a représenté plus qu'une déception, une vraie trahison, dont je ressens toujours la morsure. Caméra cinéma, j'aime pas. Que ce soit un bien ou un mal, la famille est primordiale. Belle phrase, mon garçon. Si tu n'étais pas Atling, je t'engagerais comme Skald. Skald? Cela ressemble un peu au nom donné à nos poètes de cour. C'est de cela dont tu parles? Absolument. C'est fascinant. La ressemblance entre vos mots et les nôtres est impressionnante. Comme s'il s'agissait de cousins éloignés qu'un océan de temps comme d'espace aurait séparés. Cette idée me plaît beaucoup. Ok, on est encore loin ou pas? 500 mètres, un petit 500 mètres. C'est pas mal. On arrive bientôt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre les mots, entre les langues. Surtout entre les langues du Nord. Je pense. Je sais pas. Mais la linguistique, c'est quand même très intéressant. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qu'ils font? Hop. Ah ouais, mais aussi, tu me fais descendre de mon cheval pour rien. Tu fais chier, toi. Allez, bah, venez. Ils peuvent pas les laisser tranquilles, les petits sangliers. Ok, donc nous voilà arrivés. Désolé, messieurs. L'accès à cet endroit est interdit. Ok. Donc là, va y avoir de la baston. Regardez ces chiens de païens. De vraies bêtes affamées. Venu souiller nos terres sacrées. Attention, seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Je le vois bien, idiot. Mais qu'allons-nous faire? Mon conseil est de prendre en considération leur demande. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrit? On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme
ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de dieu qui se dresse devant toi, Ivar, fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la Trent. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté. Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire? On est venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé, ni n'occupera le trône sacré de la Mercy. Tu préférerais quelqu'un du Nord? Nous sommes moins doux, mais nous faisons de meilleurs poètes. Danois du Nord, chien, vous n'êtes tous que des mécréants. Mon roi, je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesure. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. C'est terminé. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. Si tu veux ma couronne, Ubbe Ragnarsson, tu devras l'arracher des mains de mon cadavre. Tous au mur! Ok. On retourne au campement et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir. Ok, bon, bah on retourne au campement. Ah bah vas-y, wesh, ouais, c'est loin. Dis au capitaine que nous sommes prêts. Ivar et moi allons rassembler les hommes. Tu sais manier un bélier? J'en ai déjà vu un. Je veux que tu t'occupes du lot. Sois forte et agile. J'accepte. Moi aussi. Ah, c'est là le campement? Ok, nice. Ils ont fait ça le temps qu'on arrive, quoi. Ils sont balèzes, hein. Ah, bah tiens, une petite partie. Au lieu de secouer les crânes. Tiens, ah, on va faire ça. L'horlogue. Je connais bien ce jeu. Ah, faisons quelques parties. Qu'en dis-tu? Commençons alors. Tu illumines ma journée. Allons-y. Ok. Tiens, une nouvelle faveur divine. Un de santé par blocage. Ça, c'est bien. C'est le truc qui nous a défoncé l'autre coup. Je commence. Premier lancé. Alors. Tac. Tac. Il y a quoi sur ce dé? Hop. Je vais la jouer ultra défensive. Ok, c'est bouclier pour une flèche. Donc bouclier, tac. Ok, troisième lancé. C'est pas dingue. C'est pas dingue du tout, même. Ok. Alors, tac. 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 Non, pas comme ça. Bah si, comme ça. Ah, intéressant. Hop, bouclier. Phase de faveur divine. Je récupère 4, lui il va en prendre 3, donc j'en récupère 1, plus
de... Hop, passer. Ah bah je pouvais en avoir 4. Très bien. Mais on va attendre d'en avoir 8. Tac, tac, tac. Ouais. On va faire ça. Qu'est-ce qu'il va garder lui? Putain, il garde rien du tout. C'est bon, je suis pas mal du coup. Alors, là, on en a 1, 2, 3, 4. Ça, c'est quoi? Plus 1 de santé par blocage. On va faire ça. Ah le bâtard. Ah, il en a toujours assez, merde. Pas dingue ce jeu que j'ai là. Faut que je trouve un bouclier. J'ai pas de bouclier, fait chier. Ah lui il a un bouclier. C'est pas dingue. Non. Je vais rester comme ça. Accélère la résolution. Allez. Tac. Putain, il est au-dessus de moi là. Putain, il fait chier à en prendre à chaque fois. Tac. Tac. Je me défends à mort. Ok, ça c'est nice. Putain, il m'en pique 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, moins 3. Hop, je vais faire que 8. Hop, j'accélère la résolution. Tac. Ouais, c'est ça. Il va bientôt perdre. Donc, comment il va jouer lui? Putain, il sort rien. J'ai toujours essayé de lui voler des trucs parce que. Ah, intéressant. H. Il a mis qu'un seul truc. Plus 2 par D. Ah bâtard. Mais wesh.
putain. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Moi, je vous dis que c'est très chaud. Ah, ça peut être intéressant. Ok. Là, je pars. Tac. Qu'est-ce qu'il a fait? Phase de résolution. Hop, c'est bon, c'est gagné. Bien joué. C'est gagné. Ah, tu m'as eu. On recommence? Non, on recommence pas, non. Une autre fois, peut-être. Hop, très bien. On va parler à cet homme. J'ai hâte de te voir combattre, Eivor. Et enseigner à de vieux loups comme nous. C'est tout ce qu'il nous dit. Eivor, le premier à mettre la main sur Burgred aura le droit de le pendre par les grelots avant de lui taillader le visage. Commençons par franchir ces murs, Ivar. Ah, Ivar, putain. Que le Seigneur éclaire ma voix. Très bien. Bah, parle-moi, putain. Dépêchons-nous d'en finir ici, Eivor. L'Angleterre est grande. Ok. On est où du coup? Campement des Ragnarsson. Là, il y a l'air d'y avoir une grande richesse ici. On a combien là? 239 mètres. On ira après. Ouais, on ira après. C'est rien qu'on s'emmerde avec ça maintenant. On va y aller. On va aller se battre. Je suis avec les Ragnarsson. Il est temps d'avancer le bélier. Burgred a préféré combattre. Il veut être servi. Tu es prête à y aller? Attaquons. Allons-y. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. Et de lui, qu'est-ce qu'on en fait? Chez Holbert, ça ne va pas? Je connais ces hommes, Eivor. J'ai mangé avec eux. Il y a quelques jours, Léofrit m'a montré comment tenir une épée longue. C'est un ami. Les amitiés se brisent, et souvent au bout d'une lance. Non, c'est impossible. Surtout avec Léofrit, il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Mais je refuse de tuer mes amis. Il n'y a pas d'autre solution. Tu te bats ou tu te caches. À toi de décider. Donc on va attaquer le roi Burgred. Forteresse des Tamoirs. Ok, donc on arrive en pleine baston. Détruisez la porte! On tire sur moi! Massacrez les soldats! Trop facile! Allez! Allons nourrir les corbeaux! Hop! Allez, bats-toi! Hop! Recule! Protection. Hop. Oui. Commence à lâcher. Protégeons-nous. À couvert. Allez.
encore. Putain, c'est long. Tombe devant moi. Putain. Allez, encore un. Yes. La porte a cédé. Avancez. Avancez. Hop. Voilà. Allez, on défonce tout sur notre passage. Par là. Le chemin est bloqué. Il faut détruire cette barricade. Allez vite. C'est pas mal les attaques au bélier. Tombe devant moi. Ça devrait être moins solide que la première porte, hein, je pense. Trois coups devraient suffire. Voilà. L'autre il sert à rien, le soldat, il peut vous attaquer. Il sert à rien du tout, le soldat. Allez, encore un peu. Protection. Tuez-le aussi, les gens à côté de moi, ils font quoi? Bouclier. Hop, allez. C'est bon. Tuez-le, sachez leur soldat d'élite, ou ils nous tueront un par un. Ok. On est bien. Les cibles, elles sont où? Il faut tuer les cibles. Dieu ne nous laisse pas faire. Hop.
Hop, ça c'est cool. Je peux faire des assassinats, même en plein combat. Hop. Ça c'est cool. Les cibles elles sont où? Là-haut. Tiens. Hop. Allez. On va avancer par ici. Est-ce que je peux y aller en mode discretos? Tu es pris, Burgred. Dépose les armes et rends-toi. Allez. Il faut venir m'aider. Prends trois hommes et fouille derrière. Regardez partout. Fouillez. Je vais faire appeler Cheowulf et lui dire que nous avons un trône pour lui. Très bien. Donc on va fouiller ici. Déjà, il y a de la richesse ici. Une attaque bien menée, non ? Tac. Mais j'ai remarqué l'absence d'un actif. Registre royal. Tac, 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 tac. Quant à tes cachettes, elles sont pour l'instant à l'abri, mais tu vas devoir payer pour qu'elles le restent. Une liste de paiements. Une sorte de registre. Il y a un symbole ici. Peut-être un emblème de clan. Il faut que les frères voient ça. Donnez-moi des trucs à manger, là, que je puisse récupérer ma vie. Voilà. Ça, ça va être bon. Hop. Là, tout va bien. Hop. Ivar, j'ai trouvé une lettre. Il y a un symbole dessus. Tes hommes ont quelque chose ? Rien. Et toi ? Ceci. Tu connais ce symbole ? C'est le sceau de Tonna. Apparemment, cette vipère est aussi en affaire avec Burgred. C'est bien la mercenaire qui aboyait sur toi à Repton. Elle aide les deux camps dans cette guerre. Elle a pu lui dire des tas de choses. Lui vendre des secrets. Sur moi, sur Repton, sur nos plans. À quoi bon toutes ces simagrées ? Fabrique une nouvelle couronne, pose-la sur ta tête et voilà. Tu seras le nouveau roi. Ça ne se passe pas comme ça. Pas en Mercy.
Nous tenons Tamworth. Burgred est en fuite. Tu es roi dans les faits, sinon en titre. Peu importe. Tant que Burgred sera libre, il restera roi pour le peuple. Il faut qu'il abdique à mon profit. Tona est notre seule piste. Allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure image de toi. Nous avons le même père, Eivor, mais sa mère était une truie. Retrouvez-nous au campement de Tona quand vous en aurez fini ici, et armez-vous de patience. Et de ta hache ! Eivor, un mot, si tu veux bien. Vas-y, je te rattraperai. Je vais rejoindre les frères, Eivor. Retrouve-nous chez Tona. Mon fils m'a dit ce qui s'est passé, la manière dont Ivar l'a poussé à combattre. Il a dit que tu étais intervenu. Si je ne l'avais pas fait, tu pleurerais ton fils. Ce n'est pas un guerrier. Non, mais il le faudrait. Par l'épreuve ou l'entraînement. Cela viendra le temps venu. Mais tiens-le à l'écart d'Ivar. Et il n'a vraiment rien d'un mentor. Ok. On devrait avoir un point de compétence là, non? Oui, tout à fait. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Alors, on va continuer sur cette branche. Là, on a quoi? Sex. Non, ça, on s'en fout. Ça, ça peut être intéressant. Tac. On est pas mal. Alors, on va sortir d'ici. Une maison longue danoise, où est installé le clan de Tona. Ouais, on s'en fout un peu. On va les picoler, parce qu'on adore ça, picoler. Ah, tu as soif, toi? Ouais. Pour gagner, il suffit de boire ton argent. Voyons combien tu veux miser. Toujours une mise moyenne. Très bien. Par contre, les... Tiens ta corne. Les vikings sont durs à battre. J'accepte tous les adversaires. Allez. On va commencer un jour. Ok. Un peu peut-être faire un sans faute. Ah non, je dois douter. J'ai parlé trop vite. C'était facile. Je suis toujours sous pression pour ces conneries là. Ah merde. Comment je vais monter à ça? Je peux monter là? Genre pas du tout en fait. Genre comme ça. Faire ensuite comme ça. Genre ensuite comme ça. Non! Oh, un cheval mort. Ça va être chiant pour y aller là-haut, non? Ah, mais elle saute dessus aussi, sur la branche. Et con aussi, toi.
comment je vais faire pour monter là-haut? Est-ce que je peux monter là comme ça? Bon. Ça me dit pas comment je fais pour aller chercher ce truc. Ouais, mais il est là, mais... À moins que... Je sais pas si je peux monter là. Je vais tester. Je vais remonter là. Qui croit pouvoir battre la meilleure ? Et d'ici sauter dans le... Allez. Putain, je suis loin, je suis à la ramasse. Merde. Le con. Ah putain, il est parti où? Ah, j'ai le seum. Alors que je recommence. Alors d'ici, comment je fais du coup? J'ai pas le choix, faut que je saute. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est une fois arrivé dans ce camp là, j'aille à pied jusqu'à les... Alors je marquais le truc. Déploie tes ailes, Sinine. Je vais marquer genre ici. Ça sert à rien. Hop. J'ai mis un marqueur là quelque part. Je sais pas trop où. Mais bon, une fois que je suis dans le camp, je suis la route. Putain, ça va être chiant. Il va être chiant à récupérer celui-là. Mais on va y arriver. On va y arriver. On n'a pas le choix de toute façon. On est dans quelle zone là? Leicester. Un truc comme ça. Tac. Bah monte. De fer et j'ai toujours soif. Ouais, c'est parce qu'elle a soif, l'alcoolique. Hop. Tac. Hop. Là, faut sauter. Là, faut sauter. Yes! Ok, en fait, c'est parce qu'il fallait prendre le truc, j'avais pas vu. Ok, nice. Donc, on va virer ça. On va prendre la richesse qui est là. C'est où, c'est en bas?
Ok, c'était à l'intérieur de ça. Donc là, oui, on fait toujours de l'exploration. On essaie de récupérer tous les trucs possibles. Vous savez, comme j'aime explorer et tout ramasser. Et si vous ne le savez pas, et bien maintenant, vous le savez. En même temps, si vous ne le savez pas, c'est que vous n'avez pas suivi les premiers épisodes. Et du coup, pourquoi regarder celui-ci ? C'est que vous êtes bizarre. Autant commencer par le premier. Hop. Très bien. Ça c'est cool. Ensuite. Quel côté? Non, pas à 430 mètres. Là, 89 mètres, oui. Là, dans la maison là-bas. Alors, est-ce qu'on peut rentrer par la fenêtre par exemple? Tout à fait. Hop. Ça c'est good. Défoncer. Hop. Là, on a encore une richesse dans le coin. En hauteur, donc on va monter par ici peut-être. Je pense qu'on peut monter par ici. Tout va bien. Ok, c'est sur la tour de guet qui se trouve là-bas. On va passer par ici. Hop. Par là peut-être. Ouais, nice. Ah ouais, non, en fait non, ça sert à rien par là. Ça sert à rien de monter par ici, il faut monter par là. Surtout que c'est même pas dans la tour, c'est dans la maison qui est là. Désolé monsieur. Je pique votre coffre. Voilà. Oui, continuez de manger. Ne vous inquiétez pas pour moi. Une corde. Inutile. Là. Par contre, je sais pas comment on peut savoir quel truc on a battu pour les boissons. C'est pas noté. Et je sais pas s'il y a un trophée. Comment on fait pour regarder les trophées? Assassin's Creed Valhalla. Trophée. Ok. Ah bah si, on peut. Trophée. Alors. En feu lors d'un combat, tuer 3 soldats difficiles et cela sans briser leur bouclier. Wow, c'est chaud ça. Dépensez votre premier point de maîtrise. Réussissez toutes les joutes verbales. Bon, tout le reste ils sont masqués. Donc je sais pas. Je sais pas si. Non, c'est un truc qui est loin, non? Oh non, c'est pas un truc qui est loin. Si, c'est pas celui-là qu'il faut aller voir. Celui-là. Mais ça sort d'où celui-là-bas, là? Ok, c'est ça. Très bien. Très bien, très bien. Je sais. Du coup, je vais pas boire. Je vais arrêter de boire. Parce que j'ai pas l'impression que ça ramène de trophées. Donc, on va pas le faire. Est-ce que je peux atteindre un truc par en montant par ici? Non, il n'y a pas genre un petit chemin plus rapide? Non. Ok, donc on va essayer de récupérer la richesse qui se trouve là.
Bonjour messieurs dames. Journal de Leo Fritsch. Arrête de te cacher toi, c'est ça. Hein. Ok, c'est dans l'église. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'église? C'est barricadé. Il faut une clé, bien évidemment. Et la clé se trouve là-bas. Ok. Ok, est-ce que ça me permet de rentrer dans l'église? Je pense. Voyons voir. Ouais, nice. Ils étaient riches, hein, les moines. Antoine pensait également qu'à l'or. Hein. Parle des païens, mais ils sont pas mieux. Hop. Je sais pas pourquoi il y a ce genre de bruit, mais c'est pas grave. Ok, donc là il faut qu'on aille là-bas. Eh bien, on va y aller, mes amis, on va y aller. Combien de temps ça fait là? 1h24? Ouais, on peut y aller. Je sais pas pourquoi ça fait ce bruit là. Allez, on est parti. On va essayer d'y aller rapidement. Tac. Pour la glissade de 150 mètres, on repassera. Viens là, toi. Hop. Je peux passer à cheval ou pas? Nouveau point de dépassement rapide, cool. Ouais, je peux passer à cheval. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on va monter jusque dans la ville. Elle est où, l'entrée de la ville? Ah, des loups. Je suis l'ami des loups, monsieur. Ils sont juste à mon cul. Hein. Elles sont parties. Très bien. Bonne chose. C'est terminé. Mieux vaut se montrer prudent. Du calme, Ivar. Eivor est... Allez. Sigurd, un problème? Nous deux, nous allons voir Tona. Ivar et Uber resteront ici. Mieux vaut que Tona pense que nous sommes seuls. En vérité, je crois que personne ne pourrait empêcher Ivar de lui fendre le crâne. Il n'a pas arrêté de remâcher ça en venant ici. Bien. On y va? Ça ne sera pas long. Une petite fortune pour qui enverra Tona chez elle. Je risque de te prendre au mot. Allez. D'après ce que j'ai entendu à Repton, les frères avaient un arrangement avec Tona. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mercenaire. Ube avait besoin de ses hommes et de ses informations. Mais la situation a mal tourné depuis que Borgred a été vaincu. À ma connaissance, Tona a un faible pour deux choses. L'argent et les vies bien raides. Ce qui n'incite pas à la loyauté. Si on ne peut lui faire confiance, à quoi sert-elle? C'est à nous de le découvrir. On peut peut-être la satisfaire. Et dans le cas contraire? Ivar t'a dit d'apporter ta hache. On peut rentrer et comme ça? Et voilà, comme prévu. Si elle allait... Sigurd, qu'est-ce qui t'amène à mon campement par cette belle journée? Je pense que tu le sais déjà. Oui. L'odeur de cendre vous a trahi. Mais pendant que nous discutons, le roi Burgred court toujours. Et qui es-tu, ma petite colombe?
Tu veux venir t'installer sur mes genoux? Appelle-moi Eivor, ou l'ami des loups. Pas petite colombe, sauf si tu veux mourir. Allons. Tu es bien trop maligne pour t'acoquiner avec les Ragnarsson. La place ne manque pas par ici, si tu aimes l'argent. Nous sommes venus te demander de l'aide, pas des compliments. Ce que vous voulez, c'est savoir où est Burgred. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai la moindre idée? Nous avons trouvé des lettres, des contrats. Vous êtes en affaire, tous les deux. Que veux-tu? Le roi paie cher mes services. J'aimerais pouvoir en dire autant de ces deux crétins de Ragnarsson. C'est moi que tu as en face de toi. Et je veux que tu me dises ce que tu sais. Dis ton prix. Très bien. J'ai besoin d'une autre vache. Tu n'as qu'à la payer? Quand Cheowulf sera sur le trône, tu crois qu'il oubliera que tu t'es mis sur son chemin? Que tu as douté de lui? Diminue ton prix de moitié et peut-être que son premier ordre ne sera pas de réclamer ta tête. Tu as du cran, toi? Vas-y, parle. Burgred m'a payé pour éloigner les Ragnarsson de deux lieux, l'Edsestre et le fort de Templebro. Il s'est montré généreux. À votre place, c'est là que je chercherai. Et c'est tout ce que je sais. Rien de plus, rien de moins. Alors comme on dit, bon vent. L'Edsestre et le fort de Templebro. Tu connais ces endroits? Non, mais les frères sûrement. Je vais aller leur poser la question. Ne reste pas trop longtemps ici. On a un roi à rattraper. Ok, on vous accueille désormais à Tona Stadiar. Très bien. Je te mangerai bien toute crue. Il n'y a plus rien pour toi ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rendre compte à Sigurd, au frère. Ok, donc ici, en fait, je peux tuer tout le monde, je peux assassiner tout le monde sans me faire voir. C'est chelou comme principe. Bon, bah, je vais prendre ça. C'est où? Là. Ok, mais c'est... C'est chelou comme principe. Voyons quel secret tu gardes, Tona. Ah ! Je vais renvoyer ta tête pour Ragnarsson. Ça leur apprendra à me respecter. Allez, mais je voulais pas me battre avec vous, là. C'est con, je suis pas sûr qu'il fallait la tuer. Je pensais pas qu'il fallait la tuer tout de suite, c'est quand même bizarre. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va rendre des comptes aux frères. Ils sont pas très loin.
Ils sont où? Ils sont là. Ça fait un petit campement ici. Sort de se reposer. Sigurd nous a tout dit. Bien joué. L'Edcestre et le fort de Templebro. Que savez-vous de ces lieux? L'Edcestre est un grand village. Et Templebro, c'est une vieille fortification, guère plus. Burgred peut se trouver aux deux endroits. Nous devons les examiner, et sans tarder. Et qu'est-ce qu'on va faire de Tona? Je suis prêt à parier qu'elle écrit déjà à Burgred en proposant de lui dire ce qu'elle sait contre de l'argent. Ne comptez pas trop la revoir, sauf si vous allez au Helheim. Maintenant, j'aimerais bien être payé. Ah, j'aime sa manière de penser, mon frère. Il faut se mettre en route, Drengir. Je peux m'emparer du fort de Templebro. Je vais me joindre à toi, Sigurd. Ce qui me laisse l'Edcestre, dont je vais devoir m'occuper seul. Amène une amie, mon frère. Si Eivor accepte de porter ce titre... Allez-y, je vous rejoindrai tous très bientôt. Très bien, donc je suppose que cette quête est terminée. Et c'est plutôt une bonne chose. Bon. Bah c'est bien. On va terminer cette quête là. Ok, là on est dans un endroit trop puissant. C'est quoi les quêtes ensuite? Faiseuse de roi partie 2. En rêve. Là, tiens, c'est des richesses qu'on peut récupérer, ça aussi. Je vais déjà faire le tour des richesses qui sont là. Et ensuite, j'irai... Ah, c'est si loin que ça? Merde, non, c'est pas ça. Oh! Ok. Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. C'était un village ennemi. Est-ce qu'il y a des moines dans le coin? Tiens, il y a une richesse ici. Un lingot de carbone et une nouvelle richesse pour Bibi. Non? Non, juste un lingot de carbone. Très bien. Hop, bon bah on continue notre périple. On va y aller à pied parce qu'à cheval c'est trop chiant. Avec tous les murets, c'est très chiant. Hop. 125 mètres. Bon, on est plus très loin et après ce sera dans la petite maison là-bas, dans la prairie. Hop. Alors là c'est un bâtiment en ruine. En haut. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Champion fable. Étrange.
Tiens, on ira voir après ce que c'est que ce truc. Encore plus haut. Allez, monte. Ok. Bon, on se retrouve où du coup avec cette merde? Bon, ça va. Je voulais juste voir ce qu'il avait lui. Pourquoi il pleure? Il sert à rien. Hop. C'est bon, je peux pas passer 20 ans avec ce truc de merde qui m'a fait bugger en plus. Wesh. Ce jeu est vraiment bien, hein. Il est beau, tout ça. Putain, mais comme tous les jeux d'Ubisoft, mais qu'est-ce qu'il est bugué? C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, moi, ça m'énerve. Tu vois, ça gâche tout le plaisir. Ça gâche tout plaisir. Tu te dis putain, ça y est, j'ai un jeu qui est magnifique, qui est super beau, qui est génial et tout. Ouais, bah non, tout est gâché par des petits bugs de merde. Ok, c'est des petits bugs, mais c'est tout le temps quoi, c'est trop chiant. Donc là on a récupéré tous les trucs ici. On voulait aller là. Il va falloir plus qu'un cheval. Ah mais Redolda, mais ça c'est une méchante. On est d'accord. C'est loin. C'est loin, mais on y va. T'as par contre ça c'est beau ça. Dégage là. Là le soleil qui se couche derrière la montagne et qui fait un petit. En mode crépuscule là. Je kiffe bien. C'est vraiment joli. On se promène. Encore 700 mètres. C'est loin quand même. 1h45. Oh, petit bout de cheval forcément. Bon, autant là c'est compréhensible. Allez, plus 400 mètres. Et quand je vous dis que c'est chiant quand il y a les petits murets, là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est de la merde. Fait chier de monde pour rien. Tiens. Que veux-tu, toi? Salut à toi.
Tu veux en savoir plus sur la région? Oui. Il y a la question de mes... D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il m'a mis comme truc? C'est ça qui m'a affiché? J'en sais rien. Je sais pas à quoi ça sert en vrai ce truc. Bon. Allez, laisse le cheval. On va aller là-bas. Mieux. Je suis venu nous mettre à couvert, mais. Oula! Ah oui, ok. Il y a beaucoup de choses ici. Je comprends pourquoi le point était gros. Ce n'était pas qu'il y avait une grosse richesse, mais trois petites morues. Très bien. Je m'attendais à mieux quand même, mais c'est toujours pas mal. C'est toujours ça de prix. Putain, je croyais que c'était quelqu'un, c'était un tronc d'arbre. Super. Le gars ne sait pas faire la défense sur un tronc d'arbre. Et une personne. Ce mec est con. Allez, on va aller voir ce qui se trame là-bas. Vu la zone, ça semble être... Non, ça va être un artefact. Ou un truc à purifier, peut-être. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Quoi? De noirs esprits tourmentent ces terres. C'est un truc à purifier. Un moyen de rentrer dans la maison là-haut. Je peux pas rentrer. On voit vraiment rien quoi. C'est là. Saloperie. Dégage. Par Odin, la malédiction est levée. Mais on voit toujours rien. D'ici tranquillement. Je vais te repasser par là. Bon. Alors ressortons par le toit, écoute. Ok, déjà on y voit beaucoup mieux. C'est plus intéressant. Ok. Donc ensuite, on va avancer là. Hein.
Il y a des gens chelous hein, qui font des trucs bizarres. Hop, on va suivre la route. J'ai une richesse qui est sur le groupe. Son chien, il m'énerve. Tac, tac, tac. Je suppose que c'est par ici. Wesh! Oh putain, il m'a empoisonné le coup. Je peux pas passer par ici. Par là, je peux passer. Non. Le problème c'est qu'on voit rien, je peux pas faire genre attendre 5 heures. Parce que là c'est bien gentil tout ça, mais moi je passe par où? Pas une richesse énorme, c'est un coffre basique, mais en passant par en haut par le pont, mais ça me semble bizarre, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, donc tant pis, c'est bon, on va pas rester 3 heures là dessus voilà, je crois que c'est un truc qu'on peut pas récupérer, je vais revérifier, mais il me semble que c'est ça. On va rentrer dans la ville, on va aller jusqu'au là, on va aller voir là-bas. Si on me voit, cela se passera mal. Allez, encore une fois. Voilà, putain, il faut appuyer 25 fois pour se mettre accroupi, c'est bon. On essaie de rester discret. Ah. Ici, il ne devrait pas y avoir de problème. Je sais pas s'il y a des pots explosifs dans le coin. Parce qu'il me semble que c'est une histoire d'explosif. Ah oui, non, c'est le truc en dessous là qu'on savait pas comment récupérer. Ah, je sais plus comment on l'a, ce truc.
ça. Ce truc, on savait pas par où passer. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de trouver un passage. Regardez, il y a un truc là. Ah. Alors ça, ouais. Tac. Sauve un truc en bas pour aller chercher la richesse. Nice. Le talent, messieurs dames, le talent. Bureau de rat. De rat. Oh, attendez, parce que j'y suis pas encore. Putain, ça y est, on y est. Cool. Contrat de ceux qui ne voient pas. Les pourparlers, nanana. Donc ça nous a donné un contrat ou pas? Non, de ceux qu'on ne voit pas. Très bien. Contrat, magistère, statut, succès, retrait à tout. Je vais. Ok, bah le contrat il a été fait. C'est là. Je veux pas genre mettre une torche. Sera mieux. Ça sera mieux. On y verra plus clair. Hop. Là, il n'y a rien par ici. Très bien. Bah, déjà, c'est plutôt cool d'avoir réussi à trouver ça. Plutôt content. Tiens, il y a des soldats juste ici. Ça, ça fait partie aussi du truc. À combien on est? Bon, on a 2 heures. Eh bien, écoutez, mes amis. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Comment je fais pour enlever la torche? Vois mes yeux, Sinin. Prochaine étape. Allez, ici. Ouais. Oui, tout à fait. On va aller là-bas. Donc sur ce, moi, mes petits amis, j'espère que l'épisode vous aura plu. En attendant, moi, je vous dis à très vite. Portez-vous bien et stay online. Allez, bye bye tout le monde.